Il n'y a pas de mots pour décrire le Deus. C'est un peu comme si XP nous proposait une machine non seulement performante, mais la plus pratique et ergonomique possible. À côté, le Garrett Apex de Tom a beau être performant, il n'est pas pratique malgré la canne en S et son poids réduit. Heureusement, on est là pour remédier à ça. J'ai son nom et son adresse. Reste plus qu'à tuner son détecteur. Salut, moi c'est Tom et compagnie, et ça c'est mon détecteur, un Garrett Ace Apex de 2020, une machine nouvelle génération, performante, mais qui manque cruellement de praticité et d'ergonomie. Donc bien souvent, quand je choisis mon détecteur avant de partir en prospection, je choisis mon autre machine, car il se replie facilement avec son système de clip. Et une fois replié, il ne prend pas beaucoup de place, et donc bien souvent, je préfère prendre mon autre appareil qui est vraiment plus pratique et ergonomique. Vous voyez, même replié au minimum, l'appareil reste très imposant et vraiment pas pratique à ranger dans la voiture. Au niveau du casque, j'ai opté pour le casque sans fil de la marque, qui est top, mais juste en hiver. Parce qu'il tient vraiment chaud aux oreilles. En été, il fait vraiment, vraiment trop chaud avec. Donc ce système de clip et de bague de serrage n'est ni pratique ni précis pour le réglage de la taille de la canne, et c'est très gênant de serrer la bague de serrage quand le câble est autour. Voilà. Et vu que c'est cranté tous les 4 cm, donc toute cette partie là on ne l'a pas en réglage. Alors c'est vraiment dommage parce que ce petit Apex, en fait, il l'utilise pas très souvent parce qu'il est vraiment pas pratique et pas facile à replier, et il préfère souvent prendre son autre détecteur. Et malgré ses performances et malgré le fait que quand il revient il est très content de ce qu'il a trouvé avec, et ben en fait il l'utilise très rarement. Donc mon petit Bertrand, il a vraiment besoin d'un coup de main sur ce coup là. S'il te plaît, détecteur.fr, tune son détecteur. C'est donc un super détecteur, mais je le laisse souvent à la maison à cause de tous ses inconvénients, et c'est vraiment dommage. S'il te plaît, détecteur.fr, tune mon détecteur. Hey la compagnie, accrochez vos ceintures. On va aller chez Tom et compagnie et on va s'occuper de son détecteur. Yo Tom et compagnie, avec ce qu'il y a dans ce carton, on va pimper ton détecteur. On est arrivé chez Tom et compagnie, on va frapper. Xabit, t'es là pour... T'es là pour tuner mon détecteur, mais c'est trop bien, putain, trop bien. Ah putain, je suis trop content. Alors pour modifier ce détecteur et le rendre plus pratique et performant, on va changer la canne et lui mettre ce qui se fait de mieux. Là, ce sera de la balle. Pour le casque, on va opter pour un système sans fil pour qu'il puisse brancher le casque de son choix. Là, plus d'excuses pour pas prendre le détecteur. Et tant qu'on y est, pour le rendre plus performant, on va lui ajouter un nouveau disque, le tout dernier double D, spécialement conçu pour le Garrett Apex. Là, il va être unique, performant, ça va être de la bombe. Bon, du coup, pour le pimpage de ce détecteur, on va juste avoir besoin de garder le boîtier, vu qu'on va remplacer toutes les autres pièces. Pour démonter le boîtier, on va déjà démonter le câble du disque. Et ensuite, il faudra démonter les 4 vis ici. Bon, donc pour dévisser les vis, il vous faudra un petit embout Torx de 6. Très facile à enlever. Et gardez bien les vis, au cas où vous vouliez remonter sur cette canne-là. Ensuite, un cruciforme classique pour les deux grosses vis.
Donc ces deux vis-là, gardez-les précieusement. On en aura besoin pour le montage sur la prochaine canne. Et vous voyez, ça s'en va tout seul. Ok, donc là on vient d'enlever la canne, on va ouvrir la nouvelle. Donc voilà, ça se présente comme ça. On a énormément d'embout pour le bas de canne. Donc tout ça, c'est des réglages pour différentes tailles de bas de canne ici. Donc on a le choix, c'est très bien. Ok, donc là on a le futur support où on mettra le Apex. Vous voyez, c'est très simple. Ça s'emboîte parfaitement avec les deux vis. Ensuite, on a le corps de la canne. Ok, donc sur le haut de la canne, on va mettre le repose-bras. Donc très facile, hein. On repère le trou et on y insère la petite vis qui est prévue. Et voilà, et toujours avec le cruciforme. Et voilà, le repose-bras est posé. Ok, donc pour l'embout de canne, comme sur les détecteurs XP, c'est tout simple. Avec la petite languette, ça c'est hyper pratique. Allez, on va fixer le boîtier sur le support et on aura fini pour la canne. Bon, donc il faut bien repérer les trous pour le support. Donc moi j'ai repéré les miens et j'ai fait les tests, parce qu'après il faut prendre en compte que la patine là ira jusqu'ici. Donc là ça s'emboîte pile poil dedans, vous voyez, et là il n'y a plus qu'à mettre les vis en opposition pour faire tenir sur la platine. Voilà, donc je viens de fixer les deux vis. Vérifiez bien que les vis sont en contrebas. Vous voyez un petit méplat ici qui fait que les têtes de vis se passent. Je sais pas si on voit. Et donc après, très simple, on prend le support, on le fixe sur les ergots et avec les deux petites languettes, on a juste à le fixer. Et le boîtier est sur le détecteur. Donc on vient de monter le nouveau disque sur la nouvelle canne. Et là, vous pouvez constater la différence de taille quand ils sont repliés au minimum. Bon les amis, on vient de monter le nouveau disque Raider de chez Garrett, hein, qui est spécialement conçu pour le Multiflex, pour le Apex. Et n'oubliez surtout pas de commander le protège-disque avant, parce que vous savez très bien que Garrett, depuis ses débuts, ne fournit pas les protège-disques. Et voilà. Là, il est paré à les détecter en toute sécurité. Bon les amis, on vient de tout monter, la canne et le disque. Et donc comme vous le savez, Garrett reste un appareil avec un câble, le câble du disque. Donc avec ce système de canne, vu qu'on va pouvoir ouvrir la canne très facilement et avec beaucoup d'ampleur, dans le kit de la canne, il y a un velcro de fourni et moi j'en ai retrouvé d'autres. Et donc ça va me permettre de faire une petite fixation pour que je puisse ouvrir la canne sans aucun souci. Voilà. Et voilà, la canne est dépliée au maximum et le câble n'embête en rien. Bon les amis, comme vous avez vu dans la vidéo, le casque d'origine sans fil Garrett, le Z-Link MS3, est un gros casque qui est très bien en hiver, mais en été c'est vraiment pas terrible parce que ça tient vraiment très chaud. Donc pour le pimpage du Apex, on a reçu ce petit wireless de chez Garrett, donc livré avec
avec une prise casque que l'on peut adapter. Ça, c'est le récepteur. L'émetteur est intégré dans le Apex et je veux absolument récupérer le son du Z-Link comme pour le casque d'origine. Donc ça me permettra de ne pas avoir de fil relié au détecteur et de bénéficier avec ce petit boîtier des mêmes performances qu'avec le casque. Et du coup, je peux mettre le casque de mon choix. Et j'ai donc choisi le FX03 avec une molette de réglage de volume. Bon les amis, l'avantage de ce petit boîtier, donc de ne pas être relié au détecteur par le câble du casque. Et donc ce petit boîtier, je pourrais le mettre soit dans ma poche, soit à la ceinture, soit dans une pochette, soit autour du cou. Enfin bref, vous voyez, il y a même un petit clip pour pouvoir le mettre à la ceinture. Bon, on vient tout juste de terminer de pimper son détecteur. On va le présenter à Tom, on va voir sa réaction. Let's go! Oh la vache! Wow! Une canon S sur le Apex! Trop bien, trop bien. Oh là là, regardez comme c'est pratique maintenant. Trop de la balle. Ça c'est génial, ça c'est vraiment génial. Avec un nouveau disque en plus. Ah là 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 là, tueur. Ah ouais, non mais là c'est de la bombe. C'est de la bombe. Merci Détecteur.fr et merci XTheBeat pour m'avoir tuné mon Apex. Là, il n'y a plus d'excuses. Les prochaines sorties, ce sera avec ce nouveau détecteur. Franchement, c'est de la balle. Merci. Les amis, je suis hyper content d'avoir pu modifier ce détecteur, le rendre vraiment hyper pratique, ergonomique. Regardez, il prend vraiment plus de place. J'ai l'impression d'avoir un Deus. Alors certes, j'aurai pas les performances d'un Deus, mais franchement, cette petite modif me plaît énormément. Donc on aura un disque de plus grande taille qui apparemment améliore énormément les performances et les faux signaux. Donc ça, je suis impatient de tester. Et puis regardez la praticité. Incroyable. N'oubliez pas que si vous aussi, vous avez besoin de matériel, détecteur.fr, il y a un code promo qui vous permet de bénéficier de 10% sur tout leur site, pêche à l'aimant, orpaillage, détection. Ça me fait plaisir de vous avoir obtenu ce code. Franchement, 10% sur un détecteur, c'est quand même un petit billet qui peut permettre d'acheter autre chose, un pinpointer, une pelle, enfin bref. Les amis, j'espère que vous avez passé un beau moment en regardant cette vidéo. Nous, on s'est bien marré en la tournant. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude, un pouce bleu, un commentaire, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, partagez, faites vivre la chaîne, soutenez-nous en partageant la vidéo. Nous on vous souhaite plein de bonnes choses, portez-vous bien, ciao. Très bon coup, il y a du monde. On voit un peu ta main là. Y a plus qu'à tuner son détecteur.
C'est bon. Et on y insère la petite vis qui est prévue. Soin, 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 soin.